Eh ben bonjour tout le monde, c'est Franck. J'espère que vous allez bien les petits gars. Voilà, je me promène en vélo. J'ai décidé de faire une petite sortie en vélo, faire une petite balade avec moi. Pour vous dire que ça fait longtemps. C'est vrai, je fais pas beaucoup de trop de live, mais j'espère que vous êtes là, que vous êtes. Je vais chercher les médicaments parce que je suis malade actuellement et j'ai des gros problèmes de santé. Donc voilà, je pars avec vous faire une petite balade. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je suis en vélo, je suis pas, c'est pas un jeu réel là, c'est pas un jeu vidéo, je suis vraiment en vélo, hein, oui, vous pouvez le constater. Et j'ai décidé d'aller me promener avec vous, voilà, pour un peu changer un peu les habitudes sur ce truc. Voilà, alors je sais pas si vous êtes connectés. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Je répondrai après à vos messages, hein, parce que je suis en vélo, donc j'ai un téléphone portable dans les mains. Donc effectivement, je ne peux pas lire vos messages, mais ce qu'on peut faire, le fait que vous êtes là, ce que je vais faire, je vais quand même m'arrêter 5 minutes et on va mettre les messages, voilà. Salut, oh passagère, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va ma Prusse? Comment ça va? Comment vous allez? Comment tu vas? J'ai vu tes vidéos, tu vois, je fais du sport, comment tu vas? Ouais, bah merci. Non, mais t'inquiète pas, c'est rien. Je fais du vélo parce que je suis un peu malade. Salut Nice, comment ça va? Bienvenue à vous. Je fais du vélo aujourd'hui. J'ai décidé de faire un peu de vélo. Donc voilà, je vous fais une petite balade avec moi parce que bon, bah j'ai rien à faire aujourd'hui. Donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire un live sur mon téléphone portable avec une balade en vélo, hein? J'espère que toi aussi tu vas bien, ma passagère. Tu feras un gros bisou à ton mari. Tu feras un gros bisou à ton mari. Merci pour vos témoignages pour la chanson française. Ça m'a beaucoup touché. J'espère un jour vous rencontrer les vrais youtubeurs, quoi. Ça fait grave plaisir. Salut Sushi. Oui, ça bug. Ouais, ça bug un peu normal. Ouais, ça bug un peu, je sais, hein. Mais là, je suis à la campagne. Et je vous fais une petite balade. Donc j'espère que tu vas bien, passagère, que tout le monde va bien que vous allez bien, surtout que c'est important, que vous vous portez bien, surtout. Voilà, alors, je vais vous demander si je ferai bientôt une nouvelle vidéo, je ferai bientôt des nouvelles vidéos et tout. Vous avez vu, c'est la forêt ici, c'est joli, hein. Alors, on est tranquille. Bon, y a des voitures, hein. La vraie forêt se trouve de l'autre côté de chez moi, mais bon. Ouais. Ok, merci, ouais. C'est Sushi. Ah, c'est Sushi. Ah oui, Sushi. Comment il va, Sushi? Ça va, mon Sushi? Ah, Sushi, il est gentil, Sushi, avec sa femme aussi. Vous êtes des gens bien. Vous êtes vraiment des gens bien. Ça existe encore. Et ça fait grave plaisir, quoi. Ça fait chaud au cœur. Et je vous dis pas, les gars, ici il y a des bosses. Ici il y a des bosses. Alors, parce que les routes ici sont pas. Ça va, Sushi? Comment tu vas, mon Sushi? Comment va, gameuse? Je vous ai vu en live la dernière fois. Parce qu'il y a des camions là, je m'arrête. Hein. Faut respecter le code de la route. Voilà, on respecte le code de la route. Hein. Putain, il y a de la bagnole ce matin. Évidemment, il n'y a jamais de bagnole là. C'est un truc de ouf. Ah, moi je vous fais une petite balade, hein. Comme ça, bah vous voyez un petit peu. Bon, ça tourne ou pas? Bah attends, j'ai envie de tourner, mais ça me fait peur. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme bagnole? C'est horrible. Bon allez, on se dépêche. Putain, il bouge pas. Ah, faut dire que c'est la campagne ici, hein. Voilà. Ah, ça fait un moment que je suis là. Je l'avance parce que. En plus, j'ai un portable dans les. Donc on va prendre une autre piste cyclable. Bah, allez, à faire la manger. Mais... Ok, bah bon appétit. Hein. Prends ma recette, passagère. Prends mes recettes, c'est bon, vous allez voir. Faire de la bonne bouffe comme ça. La prochaine fois, je vais faire un gâteau yaourt. Vous expliquerai comment faire un bon gâteau yaourt, si vous savez déjà le faire. Mais c'est surtout pour les jeunes, pour les gamins, parce que notre petite tête blonde là. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci monsieur.
Elle m'a laissé passer le camion, pas facile. Pas facile, pas facile, pas facile. Voilà, on va passer par le piste cyclable. Hein. Hop là. Olé. Eh ben bon appétit, hein. Salut passagère, merci d'être passé en tout cas. Là on est encore sur une autre piste cyclable. Donc c'est quand même bien parce que le vélo ça remplace un peu la voiture. Surtout qu'aujourd'hui sur les routes de France, pour les VTT, ils font même pour les vélos général, ils font beaucoup de pistes cyclables. Et c'est vraiment agréable quand on est en vélo. Hein. Quand on est en vélo, c'est vraiment agréable, ouais. Le lit crash, je comprends plus rien. Ouais, je sais. C'est parce que, Sushi, je t'explique, je suis un petit peu sur une route, je suis sur la route, tu vois, donc là, des fois ça capte, des fois ça capte pas, je suis à la campagne, moi. Je suis pas vraiment dans les grandes villes, hein. Donc, je suis chez Biaou, en plus. Donc ça peut venir aussi de la connexion, ça vient peut-être pas de toi. Hein. Ouais. Bah je pense que ça marche quand même, ça fonctionne bien là. Voilà. En tout cas, je vous fais visiter un peu la. Je vous fais faire une petite balade ce matin. J'allais jusqu'à Carrefour. J'allais jusqu'à Carrefour, après on verra bien. Hein. Ouais, ça tague un peu, je sais. Mais ça c'est pas grave. Ah, je vous fais visiter un peu. Hein. Voilà. Oh là là. Hop là. Voilà. Alors les voitures, souvent ils respectent pas les vélos, comme les motos d'ailleurs. Ah normalement je suis motard. J'aime bien faire du vélo et de la moto, mais bon j'aime bien le vélo de temps en temps, ça fait du bien. La moto, bah j'en ai plus, il faudrait qu'un jour j'en achète une autre. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches. Là, on roule très tranquillement, vous voyez. Ah, ici, on a de tout, hein. On a Castorama, on n'est pas loin des centres commerciaux. C'est vraiment assez sympa, d'ailleurs. Ah bah oui, parce que des fois, ça bug. Ah bah oui, des fois, ça bug, Sushi, tu vois. Des fois, ça bug pas. Ah, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh, tiens. Ah, que Johnny, hein. Ah, que coucou. Bon allez, on descend un peu là, voilà. Non mais ça vient de moi, t'inquiète pas Sushi, ça vient de moi, ça vient pas de toi. C'est parce que je suis en coque et comme je suis en... Je me suis mis en G4, à la G. C'est pas sur mon... Ah, on va rouler sur la piste cyclable. Vous voyez, il y a beaucoup de pistes cyclables ici, vous voyez, c'est ça qui est cool. On peut rouler. Là, je vais jusqu'à Carrefour, il y a à peu près... En gros, il doit avoir à peu près 8 km, peut-être 4-5 km, quoi. Mais ça va, j'ai un bon VTT. Là, j'ai un bon VTT, je roule tranquille. Là, je vous montre un peu. Hein. Oh, c'est commerce. Après, je vais m'acheter une nouvelle voiture. Ah, camion. Regarde, camion, comment il roule comme un malade. Il roule super vite. Alors que la vitesse, ici, c'est limité à... À 50. Et les mecs, quand ils roulent, c'est des gros malades. Ah, je veux le vélo. Effectivement, je veux le vélo. C'est les Tichas qui me l'a acheté. Ah, notre Johnny. Ah, notre Johnny national. Il nous a quittés, mais bon. Il y a Franck qui est là. C'est déjà pas mal. Voilà, là on arrive. On arrive bientôt là. Enfin, j'ai encore de la route. Hein. Là, je suis arrivé pratiquement à... Là, c'est un peu long. Ça va, il faut chercher les médicaments. Oh, le camion va me tenir. Voilà. Beaucoup de camions. On va prendre une autre piste cyclable. Hein. On va essayer à pas se faire. On va passer à se faire trouver la peau quand même. Parce qu'ici, il roule comme des oufs quand même. Voilà. Hop. Ah ouais. Ah que Johnny, ah que Johnny, merci de m'avoir laissé passer toi. Ok, hey, piéton, c'est pour les vélos, hein, aussi, hein. Pas que pour les voitures, hein. Non, la piste cyclable, ils doivent laisser passer normalement.
Alors, quand une petite piste cyclable là. Ah ouais, MDR, ah, t'as raison. Elle va bien ta petite femme, Sushi? Comment elle va, gameuse? Comment elle va ta petite femme? Bah là, je vais chercher les médicaments parce que j'ai été assez malade. J'ai des problèmes de sinusite en ce moment. Donc c'est un peu relou quoi, quand t'as de la sinusite, ça fait mal derrière le cou, la tête quoi. Là, je vais chercher des gouttes, bon, il n'y a rien de grave. Hein. Ah, et bah écoute, tu lui feras un bisou de ma part. Il n'est pas là, Domingo, hein. Ah. Domingo, il est sympa, Domingo, il est sympa. Là, on roule tranquille. Là, on a un Jiffy aussi, on a un Jiffy ici, c'est pas mal. Là, tu vois, on a un Jiffy ici, c'est pas mal. Bon, là, ça grimpe, hein. Bon, j'ai pas trop essoufflé, ça va. Pour 55 balais, c'est pas mal quand même, non? Il y a des gens à 55 ans, ils font même pas de sport. Soyez mon Johnny. Ah que ouais. Ah que coucou. Ah, il y en a qui font du sport, hein. Comme moi. Hein. C'est bon le vélo pour le cardiovasculaire et pour les artères. C'est ce que mon médecin m'a dit. Moi, je fais un peu de tension. Faut dire que je suis un peu obsédé dans la vie. Hein. Merde, le mec il va tourner, merde. Il me fait arrêter. Ah, quel con. Allez, mec. Eh ouais. Bon, là, on va aller directement. J'ai changé de vitesse, là, parce que sinon, j'ai jamais grimpé. Hein. Bon, là. Voilà. Et, dans le bateau, une vidéo, je chanterai encore. Hein. J'en ai fait deux, Sushi, des vidéos. J'ai vu hein, que tu avais... J'en ai fait deux, c'était assez sympa. Où je chante, d'ailleurs. Et quoi, ma gueule? Ah, bah c'est bon, je peux passer, là. Voilà, j'arrive, les amis, j'arrive. J'arrive à Carrefour. Je viens de me taper 4 km en vélo. C'est pas mal quand même. Je me suis bien démerdé. Bon, ça va, j'ai un... Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Sushi. Tu sais, moi, j'ai un cœur. J'ai pas un cœur de pierre. Tu vois, le principal, c'est... Il faut qu'on s'entraide, tu vois. Il faut qu'on s'entraide entre nous, tu vois. Voilà, lui, il va faire ce pas me coller. Alors là, les priorités de vélo, je suis désolé, j'aurais de passer par là. Ah ouais. Ah, les mecs, tu vois, est-ce que là, moi, t'as la voiture, ce gros con. Je dis, vas-y, colle-moi, t'as raison. Le mec, il était pas content. Hein. Bon, en tout cas, moi, je vais aller chercher... je vais aller chercher mon médicament. Après, je vais rentrer. Et ça fait grave plaisir. Alors, si vous regardez cette petite vidéo, pensez que, voilà. Alors, faites attention à vous, quand même. Hein. Faut faire attention à vous. Bon, j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo en vélo, comme ça, vous faire une petite balade. Après, bon, après je vais arrêter mon live. Hein, parce que, bon, après, je vais rentrer chez moi. Là, je vais faire un petit tour au magasin. Un jour, je ferai un commentaire sur les européennes. Ou si j'ai une Macron. Hein. Hein. Oh, c'est pas bon de fumer, madame. Vous allez avoir des problèmes de santé, vous. Hein. Pas bon pour la cigarette. Bon, je vais aller au fond. Ah, les gens, je te jure. Ils se rendent pas compte qu'ils mettent leur vie en danger. Enfin. Je dis ça, ma femme, elle fume. Alors, comme ça. En tout cas. Voilà. Bon, je vais poser mon VTT. Qui est là, vous voyez. Je vais l'attacher. Ah, parce que j'ai rien à tuer. Heureusement que je peux l'attacher. Hein. Parce que si je l'attache pas, on va me le voler. Hein. Voilà. Bon. C'est pas que je m'ennuie. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Attendez, je vais déjà attacher mon VTT. Ah ouais, c'est bien ça. Voilà. Ah, j'ai mis des chaussures comme ça. Si j'avais mis des chaussures sorte de basket, c'est pas des baskets. C'est ma fille qui me les a offert pour... Salut mon Francky. Oh, Poutine, comment tu vas mon Poutine?
Comment tu vas, mon grand? Ça va? Ça va bien? Attends. Ah, j'attache mon vélo. Je vais chercher. Eh merde! Ah bah si, c'est attaché, je suis con. Je croyais que je l'avais pas attaché. Non, c'est bon. Alors, ouais, toi, comment tu vas, Poutine? Ouais, tu vois, j'ai fait une petite balade en vélo, là. Je vais à Carrefour. Et puis, je vais chercher mes médicaments. Puis après, je vais chercher un peu de pain. Je vais rentrer à la maison. Alors, voilà. Je vais faire ce que je vais faire. Ouais, j'ai mis des chaussures comme ça. J'ai pas mis des chaussures, des hautes chaussures. Hein. J'ai pas mis mes tiags. Hein. Si j'avais mis mes tiags, j'aurais du mal. Hein. Bon, bah là, je vais aller au pharmacien. Hein, aller chercher mon médicament. Voilà. Ah ouais. Ouais, des gens, ils ont des... C'est bien, les gens, ils ont des trottinettes, c'est bien aussi, hein, la trottinette, c'est vrai. Bon, là, je vais rentrer à Carrefour. Bon, généralement, ils font pas de contrôle. Avant, il y avait des contrôles, mais là, ils contrôlent plus rien. Avant, ils contrôlaient les sacs, maintenant, ils s'en battent les steaks. Là, voilà. Alors, ah oui, c'est vrai que c'est le ramadan aujourd'hui. Et voilà. Ah oui, c'est le ramadan. Oh. Miam, miam, c'est bon tout ça. Pas droit à tout ça, moi. Avant, j'avais le droit de manger tout ça, maintenant, j'ai plus le droit. Bon, voilà. On va aller chercher les médicaments. Voilà, je vous amène un peu avec moi. Vous allez faire les courses un petit peu avec moi, ouais. Les... C'est déjà un coup. T'as les boules. Ben oui. Les quoi, les Santiago de pied, t'as les boules. Bah oui, j'ai un peu les boules, je suis obligé de mettre des chaussures comme ça parce que je fais du vélo. T'as bien vu que je faisais du vélo. Bon, c'est quand la prochaine manifestation? Tu sais quoi, on va faire un petit truc, on va parler avec les gens aussi. Ah, il y a mon copain. Le copain de la sécurité là, je crois que je le connais, le monsieur là. Ouais, on va parler un peu avec les gens aussi. Oh, un gilet jaune. Ah non, c'est pas un gilet jaune. Bon, je vais chercher mon médicament. Les gouttes, c'est les gouttes pour le nez. Ah, oh, il y a du monde là. Oh là là, là je vais attendre au moins une heure, c'est pas plus. Alors, on va attendre. Hein. Est-ce que vous allez voter pour les européennes le 26 mai? Est-ce que vous allez voter, les gars? Je vous pose la question. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez voter pour les européennes? Non, non, je ne vote pas. C'est vrai? Pourquoi? Vous en foutez? Vous êtes comme moi? Ah, d'accord. Oui. D'accord. Je parle avec un... Je suis sur YouTube. Ça vous dérange pas? Non, non. Ça va? Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Macron, des gilets? C'est nul. C'est nul, hein? Vous avez écouté son débat? Non. Vous n'avez pas écouté son débat? Pourquoi? J'ai pas eu. Parce que on s'en fout, quoi. Ah. Parce qu'il dit, il raconte que des conneries, hein, Macron. Hein. Ah oui. Toujours pas. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Bon, les gars, est-ce que vous en pensez, est-ce que vous allez voter pour les européennes le 26 mai? Oui, salut. Tu vas voter, Poutine? Ah ben non, toi, tu vas au Canada, c'est vrai, j'ai oublié. Tu ne veux pas voter pour les européennes. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Hein. Je vais chercher aussi mon médicament. Ah, il y a une jolie femme là-bas, vous voyez, je sais pas si vous la voyez, attendez. Vous voyez, elle est belle, hein, elle est belle. Hein. Attendez, on va faire un truc. Oui, je discute. Bonjour madame, ça va? Ah, c'est la forme? Ok. Ah, les gens, ils sont pas très joyeux en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont. Les gens, ils sont un peu stressés, quoi, oui, c'est normal. Hein. Avec les européennes, ça les arrange pas trop, quoi. Il faut faire mon sac, on va me voler mes affaires, sinon. J'ai peur qu'on me vole. Eh ouais. Voilà, là je sais pas si ça bug. Est-ce que ça bug mon live? Est-ce que ça bug? Ouais, est-ce que ça bug? Si ça bug, vous me le dites. Hein. Si ça bug, vous me le dites. Bon, alors là, on va sortir le papier. Hein. L'ordonnance. Chercher des gouttes. On attend. Ah ouais. Allergie, ah oui. Les pro-maçons. Macron, ceux qui répondent pas, c'est des... Non. Ah oh, oui, non, mais non, je pense pas quand même. Je pense pas. Bah non, s'il dit non, monsieur, il dit non. Hein. Il y a des gens qui attendent là.
Attends, il y a du monde. Mais je vais faire un truc après, ne vous inquiétez pas. On va questionner un peu les gens. J'ai bien envie de poser des questions aux gens, comme ça, dans le magasin, voir un peu ce qu'ils pensent. Après, on peut aller dans la rue aussi, sur le parking. On peut discuter avec les gens sur le parking. Parce que si je tombe sur la sécurité, ils me virent du magasin. Parce qu'ils vont dire, vous n'avez pas le droit de filmer, nanana. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Ouais, un peu, ouais. Moi, je crois que je vais aller à la pêche, hein, le 26. J'ai pas envie de vraiment d'y aller non plus, tu vois. Parce que de toute manière, voter, ça sert à quoi aujourd'hui? Ça sert à rien, les gens, ils bougent pas. La plupart, les gens, ils bougent pas. On devrait être solidaires. Et le problème, on n'est pas solidaires dans ce pays. On est divisé à deux. T'as le côté des capitalistes et le côté des pauvres. Et moi, je fais partie des pauvres. Donc, je suis pas riche. Moi, je voudrais bien qu'on m'achète une voiture, par exemple, vous voyez. Un mec généreux, il m'achète une voiture, je serais content. Mais bon, c'est pas mon cas, hein. Ok. Alors, on va chercher le médicament. Oh là, il y a le patron en face, là. Il y a le patron juste en face, oui. Le patron juste en face de la dame, là. Monsieur, je crois que c'est à vous, je sais pas. Monsieur, je crois que c'est à vous. Ah, voilà, il n'avait pas entendu. Bonjour, madame. Je prends... J'ai des gouttes à récupérer. Alors, j'ai pas le ticket, par contre. Non. Attendez, c'est pas ça. Ouais, c'est pour le nez. Je voulais ma cardio vitale, non ? Ça va aller ? D'accord, ok, parfait. Ah bah, je croyais que j'avais pas pris l'ordonnance. Et en fait, écoute, c'était pas la bonne partie. Bonjour. Ça va ? Oui. C'est la forme ? Est-ce que vous allez voter pour les européennes ? Je sais pas. Est-ce que vous êtes gilet jaune ? Oui. Ah bah alors, ça va. Moi, je sais pas non plus. Je sais pas si je vais pas aller à la pêche. Ah. Vous êtes très gentil en plus, vous avez l'air charmante. Vous êtes mariée, j'entends indiscrétion. Ah, vous avez de la chance, votre mari. Non, soyez pas rouge, vous inquiétez pas, je suis mariée. J'ai deux grands enfants, vous inquiétez pas. Bon, je suis toujours en forme, moi, je dis toujours des bêtises. Hein, c'est bien, hein, c'est bien. Bah oui, hein. Si on n'en est pas en forme, c'est pas la peine de vivre. Hein. Mais... Ah, c'est une petite boîte comme ça. Et vous allez voter pour les européennes, vous ? Vous êtes gilet jaune. Vous êtes gilet jaune. Je suis immigrée, donc je suis pas française. Et alors, même si vous êtes française. Ah non, 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 mais sérieusement. Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas française. Moi, c'est comme un âge, je préfère voter pour les vaches. Votez pour moi. Non, pour les vaches. Pour les vaches. Ouais. Oh bah, pourquoi pas, hein. Vous savez que ça dégage du CO2, les vaches, quand ça pète, hein. Ouais, bon. Faites attention, ça pollue la terre, hein. Ah oui, mais de toute façon, ils sont bien contents de voir la vache. Je suis bien d'accord avec vous. En tout cas, vous êtes très gentille, madame. Je vous remercie de votre gentillesse. On s'en fout que vous êtes immigrée. Vous êtes française quand même, vous parlez français. Bien sûr, je suis terrienne avant tout. J'ai bon, bah alors. C'est vrai que les animaux, on devrait faire voter un chien, président. Tu sais, ça marcherait mieux. Je verrais bien voter, si on l'a fait. Moi, je vais voter pour mon poisson rouge. Allez. Hein ? Bon, allez, bon courage à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. J'ai rien fait tomber, là. Non, c'est bon. Voilà. Eh ben voilà. Salut. Salut, mon pote Grigor. Comment tu vas ? Oh là ! Ça va, Grigor ? Grigor. Alors, est-ce que vous avez aimé la petite conversation ? Ah, je vais aller voir les gens. Bonjour, madame, monsieur, bonjour. Je suis reporter sur YouTube. Dites-moi, vous allez voter pour les européennes ou pas ? Si est-ce... on va voter pour... Oui, pour les européennes. Vous allez voter ? Ah ben, je vote, je râle. D'accord. Vous êtes pour les gilets jaunes ? Comment ? Vous êtes pour les gilets jaunes ? Ah, monsieur, alors là, je vous serre la main. Je vous serre la main, je suis parti des gilets jaunes. Et est-ce que vous... Qu'est-ce que vous pensez des artistes en France ? Est-ce qu'ils sont pour les gilets jaunes ? Ça dépend. Les artistes. Il y en a qui en ont marre. Vous aimez bien Bigard ? Par exemple, Johnny Hallyday, il serait encore vivant. Lui, c'est un chanteur. Il serait pour défendre... Vous savez que monsieur, moi, je suis chanteur. Je l'ai très bien connu. Bah moi, c'est pareil, Johnny. Je sais chanter... Ah ouais, vous chantez... Vous voyez un petit air, là, comme ça, un petit air ? Par exemple... Je t'aime. Ah, c'est bien. Hein. Je t'aime. Ouais, il chante bien. Vous adorez Johnny, vous adoriez Johnny. Oh, ma jolie Zara, combien de temps. Waouh, il chante bien. Hein. C'est... Oh, ma jolie Zara. Mais je formais, je suis, comme la dame, je l'ai expliqué, dans une église à la chorale.
Ah bon, d'accord. On le sait. En plus, moi, jeune, on formait des balles et c'est vrai. On dansait. C'est vrai, c'est ou bien. Ouais. Vous avez connu. Ah, vous chantez bien. Il y a pas de problème. Je sais pas qu'est-ce que vous avez, mais vous chantez très bien. 68 ans. Bon. Ah bah voilà, ouais, je suis un gamin moi à côté. Ah oui, oui. Et il n'y avait pas de comédie de ce temps-là. J'ai expliqué une femme. Hein, bon, cette dame-là, une fois, dès qu'il venait toucher nos copines un peu trop, après, on les a suivis, puis boum, 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 pas du tout. Ah ouais, c'est un peu la chanson à Johnny, si vous cherchez la bagarre, pam, 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 pam. Ah, la bagarre, ah, d'accord. Un peu trop, tout de suite touché. Hein. D'accord. Que moi, j'étais content de draguer, ou, mais bon, elle ne voulait pas, admettons, mais... Bon, elle ne voulait pas. Bon, je m'éloignais, j'allais vers l'autre. Ah ouais. Hein, et je n'étais pas à vouloir toucher tout de suite une femme. Et c'est vrai, vous ça. Vous n'aviez pas la joue. Hein? Ah ouais, 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 non, mais c'est vrai. Alors, mes amis... Il paraît qu'il y avait participé. Hein. Ah oui. J'étais avec du plaisir de chanter avec des copains et guitare, tout ça. À l'époque, c'était Johnny Hallyday. C'est vrai, ouais. Vous avez raison. C'était joie. C'était le rock and roll comme Dick Rivers. Le rock and roll, ça, je... On voit que vous avez la banane encore, vous n'avez pas perdu. Vous aviez blouson noir et tout, hein, ça se voit. Blouson noir dans le temps, oui. Ouais, on m'a dit, à Paris. Un grand blouson noir. Non, je suis pas un blouson avec noir. Avec Johnny Hallyday, Dick Rivers. Je ne veux pas casser la gueule à quelqu'un. Jim Mitchell. Je me défends des gens, moi. C'est comme cette dame-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous êtes, c'est pas votre femme? Non. Ah, pardon, excusez-moi. C'est une dame que je ne connaissais pas. Je voulais l'aider pour sortir du bus et la faire venir ici. Ben, madame, il est gentil, votre monsieur. Je veux aider les gens, moi. Ah, ben voilà, c'est bien, j'ai joué les gens. Et c'est vrai, dans ma jeunesse à 14 ans, j'ai commencé à travailler en tant qu'apprenti. Ma paye des anciens qui m'ont formé, eh ben, je peux vous dire, et je vous jure que c'est vrai. Non, mais je vous crois, moi. Moi, je vous écoute. À part les deux. Eh bien, vrai. À part les deux, on m'a mis avec des anciens. D'accord. Tu es dans le bâtiment, tu vas écouter tout. Au début, j'étais un petit manœuvre. Après, on m'a dit, tiens, pour monter du parpaing avec le fil à plomb, et bien de niveau, comment faire? Un parpaing d'abord, avec bien sûr pour un cordeau, pour bien droit. Et attention, pas de... Bien fait. Le joint bien fait et tout. Et bien, au bout de 3 mois, eux, les anciens, ils ont dit à mon directeur, je vous jure que c'est vrai, tiens, ce jeune, il nous écoute bien. On peut grossir sa paye. Eh bien, c'était ces gars-là qui nous formaient avec le directeur qui disait oui, on va grossir sa paye. Mon directeur, il me dit, il me tutoyait, il avait le droit. Bon, Bernard, tu peux compter avec moi parce que je peux faire des heures. Il nous payait en liquide de ce temps-là, en ancien franc. Hein. Il avait grossi ma paye, mais il n'avait pas dit à moi. Les anciens, ils étaient à côté de moi, à droite, à gauche. Hein, mon copain, c'est pareil, il était plus loin, il a exactement la même chose. Et je compte. Mais arrêtez, monsieur, mais je suis plus haut, attendez, vous tombez. Et bien, j'avais tous le sourire. C'est vrai. Tu nous écoutes bien. Et bien, voilà, ta paye est grossie au bout de 3 mois. La joie de travailler. Et oui, parce que c'est vrai, madame. Et après, la prime. D'accord. Ben, c'était pas Macron ou De Gaulle qui demandait la prime. Si De Gaulle, il disait attention, savoir garder des gars qui savent travailler, des femmes qui savent travailler. Et des primes, il faut savoir les faire. Pas de licenciement, pas détruire les payes. Garder pour, si vous licenciez, c'est interdit pour embaucher aussitôt. Maintenant, c'est l'inverse. Oui, maintenant. C'est vrai. Et moi, il y a une chose certaine, ma prime, tout ça, c'était bien, tous les 2 mois, et puis impeccable. Petit à petit, à part les deux là-bas, je vous jure, c'est à part les deux qu'on m'a appris, et ben, je suis devenu chef de chantier. Au début, non. Au début, un petit manœuvre. Après, apprenti, parpaing, coffrage. Comment, comme j'ai expliqué. Les fondations dans le temps, on savait les faire. Bonjour. Coup de pelleteuse, on les donnait. Hein. Et puis, le gars, il allait plus bas de 10 cm avec sa pelleteuse. C'est pas de sa faute. Hein. Hein. C'était tracé. On lui disait, arrête. Et après, avec un rouleau, on roulait bien pendant 3 semaines de temps. S'il ne pleuvait pas, il y avait un manœuvre qui mouillait la terre. S'il pleuvait, on était content, bien, ça allait être cassé. Et 3 semaines, maintenant, nous, on fait, vite, on monte. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, monsieur Bernard, je suis très content de vous connaître. En plus, vous êtes un fan à Johnny Hallyday, parce que moi, je l'ai très bien connu. Et je suis très content. En plus, j'ai une chaîne YouTube. Il était formidable. Vous savez, je suis chanteur, moi. Guérisseur, j'ai eu la pensée, bon douce, pourquoi que je ne me suis pas déplacé à Paris pour le guérir, Bernard, j'aurais pu le guérir. Bon, alors, je vous souhaite bonne journée à vous, monsieur Bernard.
J'étais très content de vous avoir parlé. Et ça, c'est, ben, madame, oui, donc, je vous salue bien. Moi, je voudrais redresser la situation. Oh, mais monsieur, vous savez, si on ne fera pas le monde. Il faut que ça soit tout le monde. Il faut que ça soit tout le monde, monsieur. Comment vont devenir les enfants? C'est ça. C'est ça, monsieur. On va les emmener où? C'est ça. Regardez, je peux vous jurer. Mon patron, il m'a dit, tiens, en 78, 40 ans en arrière passé, il m'a dit, j'ai besoin d'un bon chef de chantier pour aller à Jeddah, en Arabie Saoudite. Quand il m'a lancé ma paye trois fois plus grosse, pas d'impôts à payer, 3000 francs de paye. De prime à la banque. De prime. Ah oui, quand même, ça fait pas. Il ne m'avait pas dit ça, c'est la banque qu'on me l'a donné. Ah ben bien, j'étais content. Ben écoutez, monsieur, hein, je vais vous laisser. Maintenant, tout qui descend et les payes. On faisait, c'était bien ça. 48 heures, moi je me faisais 68 heures par semaine. On ne regardait pas la montre. Jamais, quand on coulait une dalle, on la coulait. Tout le bâtiment, impeccable une fois. Regardez les bâtiments, hein, bien, ben le ferraillage bien rouillé. Là, je ne suis pas content parce que maintenant c'est du ferraillage. Oui, je sais. Ben, c'est pas bon, ça. Je sais. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée parce qu'on m'appelle. Et puis, merci de m'avoir. Allez, excusez-moi. À bientôt. Non, je vous en prie. C'est très... Au revoir, madame. Ok, merci. Voilà. Alors, nous sommes en direct. Ma femme m'appelle depuis tout à l'heure. Ma femme m'appelle. Coucou. Ah, coucou, MDR. Ma femme m'appelle. Alors, attendez. Attends, je vais répondre. Je vais répondre à ma femme, hein, deux petites minutes. Je te rappelle à peine. Rappel après. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, parce que si je coupe le live, le téléphone, ça va couper. On va voir. Voilà, on va pas aller dans les magasins, parce que on va aller extérieur, parce que si j'ai un magasin que j'ai interviewé des gens, j'ai peur qu'on me vire. Donc voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe avec les gens. On va aller voir un peu, hein, d'accord. On va aller voir un peu ce qui se passe avec les gens. Voilà. Voilà, et je vous rappelle après, plus tard. Et ouais, il m'a fait beaucoup rire ce monsieur, hein. C'est vrai qu'il m'a fait beaucoup rire. Et voilà, quoi. Bon, attendez, je vais répondre, parce que j'attends qu'elle me rappelle. Bonjour. Allez, c'est l'interview. Ah, bah, je vais aller voir les messieurs, là, parce que eux, c'est des anciens, on va parler avec les anciens. Bonjour, monsieur. Je suis reporter sur YouTube. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous allez voter pour les européennes? On n'a pas le droit, nous, de voter, monsieur. Ah, vous n'avez pas le droit de voter? Non, on n'a pas le droit. Non. D'accord. Non. Bon, bah, alors, bonne journée. Vous êtes pour les gilets jaunes? Pardon? Est-ce que vous êtes avec les gilets jaunes, le peuple français? Bien sûr, on est avec le patron. Parce que les retraités, hein, vous êtes malheureux. Ah, bien sûr. Eh bien, écoutez, monsieur, ça fait plaisir. Merci de votre réponse. Merci. Ah. Au revoir. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas... Je vais voir des gens... Je voudrais bien voir des jeunes aussi. Ben, lui, je le connais, lui. Alors, on continue. On va continuer notre petite. Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes... Je suis reporter sur YouTube. Est-ce que vous allez voter pour les européennes? Ah, vous voulez pas? D'accord, merci. Oui, allô? Putain, je suis occupé, Muriel, quoi? Quoi? Bonjour. Quoi? Je suis parti à Louvre ce matin. Quoi? Je suis parti à Louvre ce matin. Pourquoi faire? Et tu m'appelles avec pour Valère? Ça? Bah oui, avec Valère. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, c'est bien. À Louvre? Ouais. Où il y a la Sainte-Marie? Pour visiter le nouvel entrepôt. Ah, c'est à Louvre. Et alors, c'est bien? Ben, ouais, c'est bien, ça va. Ok, bon, ben, moi, je rentre à la maison. J'ai été chercher... La conserve est pas là, donc je t'offre les fleurs. Hein. J'en achèterai d'autres, c'est pas grave. Ah, ben, c'est gentil. Hein. Voilà, parce que elle est pas là pendant une semaine. Hein. Pas de chance. Ah, merde. Ok. Bon, ce matin, j'ai pris ma tension. J'ai 14. Ça va, hein? Ouais. Bon, allez, je te laisse. Ouais, ça va. Ah, j'ai bu le truc à l'ail, c'est dégueulasse, l'eau à l'ail. Oh. Ah bon? Ah, mais c'est très bon pour la santé. Hein. J'ai regardé sur Internet, ça va faire descendre ma tension à une vitesse incroyable. Et je vais voir... Ok, bon, je te laisse, Muriel. Ok. Allez. Bisous. Bisous.